Hello, salam alaikum les speakers digital et la communauté Facebook. Je vous fais cette vidéo comme premier par rapport au trophée que je vous avais parlé de la nuit des champions et que je vais vous faire voir, que je tiens là, juste là. Mais je ne vais pas vous la faire de suite. Je souhaiterais revenir sur la première vidéo que j'aurais trois raisons à ajouter par rapport au poids et à la charge que je vous ai dit de vite enlever sur les poids. Sur les machines et sur les bas. Voilà, la première raison, c'est de, si vous avez une belle symétrie, c'est de la conserver, de bien la conserver. Et s'il y a besoin de la corriger, c'est pendant ces 6 premiers mois que vous allez, que ça va vous aider à avoir une belle symétrie pendant ces 6 premiers mois sans charge, sans ou très peu de charge. C'est conseillé. Et puis la deuxième raison, c'est de ne pas vous faire mal, surtout aux articulations et musculaires. Qui est très important parce que après si vous avez mal vous pouvez pas continuer, c'est très difficile et très compliqué. Et puis vous risquez, et je viens à la troisième raison, c'est de pas vous dégoûter la musculation et puis abandonner, parce que la plupart c'est le cas, hein. Au début ils s'entraînent, ils veulent vite prendre et ils sont vite dégoûtés par rapport aux courbatures, parce que sachez qu'il y a beaucoup de courbatures à la musculation et dans les articulations et ça fait des grosses douleurs. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas porter de charge, c'est très important. Voilà. Voilà, et puis après, au bout des 6 mois, après on va parler un peu de nutrition aussi, c'est par rapport à la nutrition, bien se nourrir naturellement, comme vous avez l'habitude de vous nourrir, et puis après améliorer s'il y a, surtout éviter le sucre, la graisse, vous savez, voir un spécialiste pour la nutrition, vous en parlez sur une autre vidéo. Voilà, pour ça. Voilà, c'était pour pour la première vidéo. Voilà, maintenant je viens pour cette vidéo, comme j'avais promis, j'ai la fameuse plaque de la nuit des champions. Mon frère a gagné à New York City. Voilà. La première compétition de la nuit des champions, il est arrivé premier aussi. Regardez. Elle est unique. C'est la 12e nuit des champions. 12e plaque. Voilà. Je vous ai envoyé d'ailleurs une vidéo sur le groupe et puis sur mon Facebook personnel aussi. Voilà. Et bon, la vidéo est en anglais, mais je vais la mettre en français pour ceux qui ont besoin de traduire. Et puis voilà, je voulais vous parler de mon frère. Le premier, le second, c'est Dorian Yates. Très, très grand. Et pour vous dire qu'il a pris une photo de dos de mon frère, il l'a mis sur son frigo. Et à la salle de et sa salle de sport pour avoir un dos comme le dos de mon frère et ça lui a bien servi parce qu'il est arrivé après lui 6 fois Monsieur Olympia. C'est le championnat des professionnels, c'est la plus grosse des compétitions. Voilà. Ben sur ce je vous dis à la prochaine vidéo. Je vais pas tout vous révéler, tout sur dans la même vidéo, hein. Je vous dis à la prochaine. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous ferai voir d'autres trophées encore. Et puis après d'autres vidéos, il y a pas mal de vidéos aussi. Alors, je vous dis à très bientôt. Bon courage à vous. Et puis bonne continuation pour les sportifs. Et salut. Bye bye. Ciao ciao. Avant de couper, je vais vous faire voir un tableau qui a été peint. Bon, je ne dirai pas le nom. Mais regardez. On dirait une photo. Et Dieu garde son âme, mon frère. Voilà la côte. Il a été amateur, champion du monde. Il est à côté. Et salut la communauté, à bientôt. Ciao, ciao.